Ah là là, on est au soleil, on est tranquille, avec ma grande et On est Meline. bien. Oh là là, on est bien, c'est. Mais moi après je dois partir, ma grande, je vais à Épinay-sur-Seine. Oh, c'est si loin. Ouais, c'est si loin. Enfin loin, c'est pas loin de Mais partout. ils ont l'air sympas, j'ai vu une T'as petite vu? vidéo. Je vais dans un fast-food. Regardez les gars, ils arrêtent pas de snapper, ils sont trop marrants. Demain à Épinay, ici ouais, même. Ouais, il y aura quoi? À 19h, il y aura Florian en air. L'animateur Yo, le youtubeur. Non. Tu pourras prendre un moment avec lui. Ouais, mais j'ai hâte d'y aller parce que je pense qu'il va y avoir bonne ambiance. Il paraît que ce qu'ils font c'est bon et en plus ils arrêtent pas. Je les suis sur Snap depuis des mois. Delim's Burger, ils étaient à Sartrouville, là ils arrivent à Épinay. Ils mangent quoi là-bas? Bah des burgers, des sandwichs, mais hey, j'ai pas envie de manger de burger même si j'ai mis mon t-shirt. Burger, les burgers c'est la vie. D'ailleurs je vous mets en barre d'infos si vous le voulez, je vous mets le lien pour choper le t-shirt. En tout cas c'est parti, direction Épinay-sur-Seine. Voilà. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, ça y est, je suis arrivé à Épinay-sur-Seine et je vous annonce un truc en exclu, j'ai faim. Et vous savez que quand j'ai faim, je suis capable d'aller dans le monde entier pour goûter des spécialités culinaires, je suis capable d'aller dans la France entière, je suis capable d'aller dans la région parisienne entière. Aux quatre coins, je suis déjà allé à Poissy, à Cergy, à Torcy, à Saint-Denis. Là, je suis pas très loin de Saint-Denis en fait, hein, à Épinay. Et c'est parti pour le Delim's Burger. Eux, ça fait un petit moment qu'ils me tapent dans l'œil. Au niveau de l'ambiance qu'ils mettent sur leur Snapchat et au niveau de ce qui est apparemment sur les plateaux. D'après les photos que je vois sur leurs réseaux sociaux, ils alimentent vachement bien leurs réseaux sociaux, comme quoi ça sert. Hein. C'est ça qui m'a donné envie. J'y vais aujourd'hui. Ils ont une adresse normalement à Sartrouville et là ils viennent d'ouvrir à Épinay. Donc bah c'est parti. Hey, c'est toi la star de Snapchat. Lui, c'est la star de Snapchat. Ouais, je suis une star, je suis connu. Souvent, on me demande des photos dans les rues, mais t'as vu, laisse tomber. C'est grâce à lui que je suis là, parce qu'en fait, je vous suis depuis quelques mois. Ouais, Delim's Burger vrai, sur Snapchat. Ça. Moi, ça fait quelques années que je te suis. C'est vrai. C'est vrai. Bah, ça fait plaisir. Si tu parles de nourriture, nous, on suit. Ah, je vois ça. Et en fait, ce qui me fait marrer à la base, parce que du coup, j'ai pas encore goûté à ce que vous faites, ouais. Mais c'est l'ambiance. Vous êtes des ambianceurs. On est des ambianceurs, même si on est des comédiens. Ouais, ouais. La 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 la. Ça c'est cool. Non, et voilà, je vous dis, les mecs, c'est des ambianceurs. Et alors, qui bosse là? C'est quoi? C'est des clients? C'est des gens qui bossent? C'est le capitaine. Ça c'est le capitaine. D'accord, toi tu bosses là. Lui bosse là. Ou toi tu bosses là. Vous êtes des clients. Je suis un fidèle client. Ok, c'est cool. Bon bah super. Bah on va passer aux choses sérieuses là. Parce qu'en plus, j'ai pas bien mangé ce midi exprès. Donc voilà. J'ai jamais été accueilli comme ça nulle part. Et là, je peux dire qu'à Épinay, on est très très calme parce que c'est l'ouverture, mais à Sartrouville, c'est un sacré. Bah ouais. C'est un sacré bordel. Je vois ça sur Snap. En tout cas, maintenant, du coup, partout où je vais, j'exige le même accueil. Ça va être pratique, je pense. Ça va être possible. Alors, c'est quoi? Comment ça se passe ici? C'est quoi le concept? Le concept, en fait, on a une spécialité, c'est tout ce qui est cuit au grill. Donc, cuit la viande au grill, elle a un petit goût fumé, c'est super bon. Après, t'as divers sandwichs, ils sont super bons, tous autant qu'ils sont. J'ai vu qu'il y a autant des burgers que des sandwichs. J'avoue que les burgers, j'en ai mangé beaucoup ces derniers temps. Après, t'as une gamme un peu super. Mais les. D'accord. Et sinon, et les sandwichs, tu préfères quoi entre vos sandwichs comme ça là et les burgers? Parce qu'il y en a là, genre avec. Là, le sandwich qui marche le mieux, c'est le CDI. C'est un petit clin d'œil de là. Ah, mais on m'en a parlé du CDI en plus. On m'a dit, il faut que tu testes ça. C'est quoi alors? En fait, CDI, c'est Cité des Indes. C'est de là où on vient en fait. Et pour faire un petit clin d'œil à tous ceux qui nous suivent, on a inventé le sandwich qui est le CDI. C'est une escalope avec du boursin, avec du gruyère par-dessus, avec le petit cheddar bien fondu et du kiri. Je peux te dire que c'est un. Bah, je veux ça en fait. C'est parti. Ah, bah ouais, vas-y. Tonton, patron. Le patron est là, patron. Ah. Un CDI, c'est bon. Tu le veux plutôt en pain classique ou en tortillard? En pain classique ou en quoi? Ou en tortillard. En tortillard, alors en pain classique, non? On va sur pain classique. Ouais, on va sur pain classique, on va goûter comme ça. Bim. Après, t'as toutes les sauces que tu connais, ketchup, mayonnaise, etc. Quelle sauce que tu veux? Vous avez Biggie? Évidemment. Allez, Biggie. Je te mets de la salade, des tomates, des oignons. Ouais, mais moi tout normal, bien. Hey, Mich! Un CDI pour Florian, s'il te plaît, Wahed!
Il est venu Colombo. Il est venu. Il est venu. Il est venu Franchement, ici, niveau ambiance, ça le fait. Hein. Donc, du coup, je vais manger avec quelques abonnés qui sont venus. Vous êtes déjà habitué à Delim's Burger ou pas? Non, moi, je... Parce qu'en fait, ils viennent d'arriver à Épinay, donc vous découvrez, là. Ouais. Non, on habite sur Épinay. On habite sur Épinay. Non, ouais, mais vous découvrez le Delim's. Non, on découvre. Ouais, on découvre. C'est la première fois que tu viens ou t'es venu C'est la deuxième fois, je suis venu à l'ouverture. D'accord. Quand ils ont donné les burgers. Et ouais, c'est pas mal. Hein. Ok. Donc là, t'as pris quoi comme sandwich, toi? J'ai pris un country barbecue ketchup biggie. Y a quoi dedans? J'ai steak, œufs et dinde. Et une palette de pommes de terre. C'est sympa, tu vois. Ouais, c'est des... Ah ouais, avec galette de pommes de terre. Ouais. Si tu peux me permettre, le sandwich par, c'est double au avec le CDI. C'est donc excuse-moi. Ah ouais, excuse-moi. J'ai une 206 à vendre. S'il y a des milliers de personnes qui Je transmettrai. Je transmettrai. Au sandwich, excuse-moi, t'inquiète pas. Des informations. Allez vous abonner à ma chaîne, Farprof Gaming. Ah yeah. Et toi? Moi, je m'appelle Omar. Ok, Omar. Je suis abonné depuis tout petit à Sartrouville. Ouais. Delim's Sartrouville. Et c'est Delim's Mambo. Yeah. Yeah. Toi alors, t'as pris quoi? Trois steaks. Trois steaks, Big Al Jiren. Avec salade, c'est tout. Et pour le sauce, c'est la Big Al Jiren aussi. Et donc toi, du coup, c'est dans une... Une tortillas. Une tortillas. Ouais. Ok. Ok, bah bon appétit les amis. Hein. Donc le CDI, c'est escalope de poulet. Dedans, en fait, elle est au boursin, l'escalope, je crois. Escalope au boursin, il rajoute deux tranches de cheddar et du kiri. Donc je pense que ça doit juste être kiffant. Niveau ingrédients, déjà, c'est des trucs que je kiffe. Donc on va goûter quoi. Bon, bah, du coup, les amis, hop là, on va essayer de le prendre en main. Et c'est pas évident de le prendre en main parce que waouh, il est super lourd. Regardez-moi tout ce qu'il y a là-dedans. Ça fait plaisir. Putain, mais comment vous mangez ça là? Ça tient pas en main tellement il y en a. Bon, se boucher. Bon, bon appétit hein. T'en as fait tomber déjà. Ah ouais, j'en ai fait tomber à côté tellement il y en a. Allez, j'y vais comme ça, hein. sans aucune méthode. Et on sent bien le boursin, on sent bien le kiri. Ça pour le coup, c'est un sandwich un peu original par rapport à ce que je peux manger ailleurs. J'ai pris avec sauce Biggie, ma sauce préférée du moment. Et ils mettent la bonne dose de viande là, ça fait plaisir. Vous avez vu, il y en a qui ont des tortillas, il y en a qui ont du pain normal parce qu'ils proposent en fait, on peut choisir les sandwichs comme on veut dedans. J'ai demandé avec salade tomate oignon, là encore on propose. Et ça c'est le kiff, mais c'est bien stockma comme truc. Hein. Dans la famille, je mange n'importe comment, je fais n'importe quoi, ça ne ressemble plus à rien. Le truc déborde, c'est... Voilà. Mais c'est bon signe, quand ça déborde, ça veut dire qu'il y a de la quantité à l'intérieur. Et ça, j'aime. Je vous annonce officiellement que mon sandwich a débordé, que j'en ai plein les mains, mais c'est pas grave. Ça permet de voir, en fait, ce qu'il y a dedans. Et c'est de la vraie bonne escalope de poulet. Comme le truc a débordé, j'ai essayé de le re-remplir avec tout ce qui était tombé à côté. Forcément, il faut aimer le fromage, hein, sinon c'est mort pour vous. Franchement, ça se mange bien, hein. Ça se termine bien. Le truc, c'est que ils viennent de me servir un autre de leur sandwich qui cartonne parce qu'ils veulent que je le goûte. Donc je suis obligé d'en manger un deuxième. Bon, du coup, j'ai pris le CDI, ouais. Mais toi, tu m'as dit, faut que je goûte autre chose. Le double Hooper, c'est deux steaks cuits au barbecue. Il y a deux steaks de 90 grammes avec une salade bien fraîche. Avec une salade bien verte, tomate, avec des oignons rouges et des cornichons. C'est l'un des sandwichs qu'on vend le plus avec le mix Hooper. D'accord. Et en fait, ouais, la particularité, c'est vraiment le fait que la viande elle soit cuite au barbecue. Voilà, tout à fait. Et t'as même le mix Hooper où on rajoute un kiri entre le steak et l'escalope, t'as un petit goût crémeux, c'est super bon. Qui invente toutes ces recettes là? Parmi les inventeurs, l'un des grands inventeurs de ces recettes là, il y a Monsieur Foufou. C'est ça Foufou? C'est lui? Ouais. C'est toi? Ah, c'est moi, c'est moi. C'est vraiment lui. C'est vrai, c'est toi l'inventeur des recettes. Hein? Ouais, la plupart. Mais tu les tests, hein, que t'as plein d'idées, après tu les tests. Ça se voit que je les teste.
Ça se voit un peu. Mais t'es obligé, c'est professionnel, t'es obligé. C'est ça. Bah ouais. Donc comme ça, visuellement, il est classique, mais toi tu me dis que c'est le goût de la viande qui va faire la différence. C'est vraiment ça. Hop là. On y va, c'est mon deuxième. Hein. C'est relou quand déjà tu regardes où ça fait Whopper. Mais non, j'ai l'habitude qu'on me regarde. En plus, comme j'ai mis trois pompes à manger, tout le monde a fini, même ceux qu'on mangeait à côté. Je suis d'accord sur le goût de la viande. Tu le sens quand même. Ouais, c'est vrai qu'on sent. C'est pas le même. En fait, c'est dû à quoi? C'est la cuisson ou c'est. C'est la cuisson en fait, on cuit ça au barbecue avec des petites pierres volcaniques. Ah. Donc ça imprègne. Le goût, il imprègne vraiment, vraiment sur le cuisson. Du coup, c'est un peu fumé, c'est. C'est un peu fumé, t'as avec le petit cheddar fondant. Ouais. Non, franchement, ça passe crème. Je continue pour la peine. Hein. Alors, Florian, dis-moi, c'était quoi l'impression du sandwich? Franchement, très bon. T'as fait lequel, toi? J'ai fait le CDI. Ah, le CDI, j'ai kiffé. Fait t'as fait les deux? Les deux. C'est bon, tu peux demander une augmentation. Je demande ouais, bah tu me dois 2000 euros. Patron, mets le dernier, patron. De toute façon, je sais pas. J'ai oublié de boire pendant le repas tellement c'était bon, mais là, je teste l'un des nouveaux freeze ananas coco. Ananas coco, c'est macabre. Sinon, il y avait quoi? Pêche-mangue, il y en avait plein. Hein. Ouais, pêche-mangue, t'as kiwi citron vert, t'as citron gingembre. Ça, faut aimer. C'est faut aimer. Gingembre, c'est spécial. C'est spécial. Et puis, t'as beaucoup de goût à pêche-mangue. Bon, les gars, déjà, je savais qu'ici, il y avait l'ambiance. Ça, bon, j'ai vu direct. Je savais qu'il y avait des sandwichs qui avaient des bonnes têtes. Maintenant, je sais qu'ils ont aussi bon goût. Donc, ça fait plaisir. Il reste encore plein de choses à voir, mais en une petite heure, t'as passé le temps, mais t'inquiète pas. Ouais, ouais, non. Et puis, même, là, deux sandwichs déjà pour le soir. C'est déjà, ouais. Là, je vais devoir aller courir après, là. Et je vais avoir du mal. Hein. Allez, faut y aller. Sinon, tu vas finir comme nous, mon gars. Ouais. Ça, c'est l'effet délice. Quand t'es arrivé là, tu pesais moins? Ah, j'étais comme ça. Non, pour de vrai? Ah, j'étais comme ça. Non. Ah, je plaisante. T'avais déjà un petit potentiel. Bon, merci pour l'accueil en tout cas. Et puis à l'occasion, j'irai vous voir à Sartrouville. En plus, tu me dis que Sartrouville, c'est plus qu'une sandwicherie, c'est vraiment un état d'esprit. Ouais, c'est vraiment limite associatif en fait. C'est vraiment l'envie. Vous organisez des activités? On fait des activités, comme l'été dernier, on a fait quelques activités. En fait, le jeu c'était quoi? C'est on cachait des cartes à l'intérieur du quartier et les petits jeunes devaient trouver des cartes. Et celui qui trouvait, il avait un menu gratuit. Bon, un menu, c'est pas un truc de ouf. Mais le plus important, c'est que les petits s'épanouissaient, s'amusaient pendant l'été. Il y a beaucoup qui ne pouvaient pas aller en vacances, et c'était pour ça. Ouais, du coup, ça faisait une activité. Et puis un menu, franchement, c'est pas négligeable, surtout pour les petits, quoi. Ouais, voilà. Et aussi la minute chinoise, on essaie de faire chaque semaine une petite minute chinoise. C'est une personne qui s'appelle Shisei, Issa. C'est une personne qui est top, elle donne des petits conseils pour les jeunes. Bon, des conseils qui sont pas, c'est pas un truc de ouf, mais pour les jeunes, des fois, ça apporte beaucoup. Et ça, c'est sur Snapchat. Je vais vous mettre votre Snapchat parce que franchement, moi, comme je disais tout à l'heure, au début de la vidéo, je vous ai découvert sur Snapchat. Ouais. Et c'est vraiment l'ambiance avant de ce qu'on mange qui m'a donné envie de venir vous faire un petit coucou. Beaucoup de personnes sont venues manger grâce à Snapchat. Ah ouais. J'ai regardé un peu l'ambiance, etc. C'est un peu, tous ceux qui regardent là, qui ont des établissements comme ça, faites-vous bougez-vous sur les réseaux sociaux, montrez la bonne énergie que vous envoyez et ça peut faire venir des gens. Bon, après, il faut que ça suive dans l'assiette parce que si on vient juste parce qu'il y a une bonne ambiance, on va pas revenir non plus beaucoup, mais faut qu'il y ait les deux quoi. Bon, on va tester le banoffee, encore un dessert bien léger avec du mascarpone, de la crème liquide, palais breton, banane, sauce caramel. Tiens, je peux pas ça a l'air sympa ça. C'est bon, dans 10 minutes, j'étais pas, c'est bon. Et on sent bien la banane en plus. Palais breton plus banane, plus copeaux, tout ça là, c'est tout ce que j'aime. C'est vrai que le palais breton c'est la vie aussi. Hein. C'est pas ça, c'est un bon mélange. Ah, franchement, super bon dessert et ça change de tiramisu pour le coup. C'est bon le tiramisu aussi, mais bon, là ça change un peu. Parce que du coup, là encore, pour sélectionner les desserts, t'es obligé de les goûter avant. Je suis obligé de les goûter. Ah, là, tu fais un dur métier. Hein. Un métier que j'aime. Bah oui, mais tu m'étonnes. Bah bien ouais. Sûr, bien sûr. Non, mais celui-là, le banoffee, en tout cas, très bon choix. Hein. Non, franchement, là, ça fait plaisir. C'est que j'ai des bons goûts alors. Ouais, ouais, c'est ça. Non, le mélange entre les différentes textures, parce qu'il y a du palais breton. Donc ouais. Ça apporte un peu de croquant au fond. Exactement. Il y a la banane. Bon, si vous aimez la banane, vous ne serez pas déçus. Bien sûr. L'onctuosité du caramel. Franchement, c'est un mélange. Et c'est un très bon mélange. Bien sûr, ouais. C'est un mélange. On a l'impression qu'on fait Masterchef, tu sais, on fait la critique culinaire du dessert. Bon, bah les gars, merci, hein. À bientôt. Merci. Bravo! On les arrêtera jamais, je crois que c'est jamais. À bientôt les gars. Salut. Bon bah des Linksburgers, vous avez vu l'ambiance. Hein.
Merci beaucoup les gars en tout cas. Merci à toi Florent, ça nous a grave fait plaisir. Et en fait ce qui m'a vraiment impressionné, c'est qu'il est vraiment naturel. Sur ces vidéos comme dans le réel, j'ai vu aucune différence. Change pas mon gars. Et bah moi qui suis fan de vous sur Snapchat, je peux vous envoyer le compliment aussi. C'est super gentil. C'est pareil. Je mets votre Snap en barre d'infos, je mets les adresses donc de la boutique de Sartrouville et de celui d'Épinay-sur-Seine. Donc venez faire un petit tour ici ou à Sartrouville. Avec grand plaisir. Et puis du coup on se fait le final. On se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog. On met un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo. Et puis abonnez-vous à ma chaîne. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Évidemment. Et Twitter, Snapchat, évidemment. Instagram, c'est aussi Florian Honner. Florian Honner, c'est ça. À bientôt. Ciao, bye. Allez, ciao.